Allô les fans de Lush, mon nom est Victor et bienvenue au Japon, bienvenue plus précisément à Harajuku. Harajuku c'est un quartier de Tokyo et il y a un magasin Lush comme vous voyez juste derrière moi. C'est un magasin un petit peu particulier puisque avant c'était un magasin Lush classique comme celui que vous allez trouver aux Galeries d'Anjou ou Place Versailles, mais enfin, il n'y a peut-être pas un Place Versailles, je ne sais pas. En tout cas, il a été complètement transformé au mois d'octobre et réouvert début novembre. Et c'est un magasin concept où vous ne trouverez que des bombes de bain. Je me suis dit que, étant à Tokyo, c'était peut-être l'occasion de vous emmener visiter ce magasin qui est assez exceptionnel. Il y a à peu près une cinquantaine de bombes de bain exclusives à cette boutique. Comme tout est en japonais et mon japonais est assez moyen, je ne suis pas vraiment capable de vous dire de quoi elles sont faites. En tout cas, j'ai sélectionné 3 bombes de bain que je vais vous offrir. C'est tout simple. Si vous voulez courir la chance de la gagner, vous avez juste à indiquer dans les commentaires en bas le nom de votre bombe de bain préférée. Mettez-la seulement sur YouTube, pas sur Facebook. Je ferai un tirage. Si vous êtes la chanceuse ou le chanceux, je vous enverrai un message privé. Vous aurez juste à m'indiquer votre adresse. Vers la fin janvier, je serai aux États-Unis, donc ce sera plus facile de l'envoyer. Je vous enverrai la bombe de bain par la poste et vous pourrez profiter d'un bain japonais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une boutique vraiment très très jolie. Par contre, il n'y a que les bombes de bain. Il y a aussi les foulards qui servent pour emballage cadeau et aussi des macarons, des écussons pardon, à coudre. Mais c'est tout ce qu'on trouve. Oubliez les savons, oubliez toutes les autres affaires. Mais c'est une très belle boutique et j'avoue que le train de sushi, bombe de bain m'a vraiment séduit. C'est très très beau. Je rêve d'avoir ça dans ma salle de bain maintenant. À bientôt. Salut.